Christophe Lemoine. Isabelle Alonso. Raphaël Mesrahi. Maureen Dor. La grande comédienne, la grande tragédienne, Annie Lemoine. Et le retour parmi nous, il était absent depuis plusieurs semaines, parti tourner à l'étranger, le retour de Jean Benguigui. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? C'est qui cette fille? Je ne la connaissais pas, moi. Ah ben oui, vous n'avez pas vu le changement, vous. Une tragédienne. Elle s'est libérée depuis que vous avez dit qu'elle était comédienne. Ouais, oui, bonjour. Depuis qu'elle a remplacé Claude au théâtre, elle fait comme Claude. Oui, signalons que Annie Lemoine a fait ses débuts sur scène hier soir pour la première fois. Et alors? Je l'ai fait. Alors, Annie. Isabelle. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, c'était super hier soir avec Annie. C'était vachement bien avec Claude, mais alors Annie, elle a complètement changé le rôle. Elle arrive avec une énergie comme ça, c'était formidable. Parce qu'elle prend sa voix sur scène, c'est pour ça. Hein, c'est vrai. Non, c'est gentil, mais moi je suis entourée de professionnels et j'ai beaucoup d'admiration. Ah bon? Qui ça? Isabelle Mergo, exceptionnelle, d'une grande générosité. Elle a été là, c'est pour elle que j'y suis allée, c'est grâce à elle aussi. Et c'est une expérience magnifique, merci la vie, cadeau. Merci Laurent. Elle a reçu le César ou quoi là? Remercie tes parents. Je te remercie toute la profession. Pauline, comment allez-vous? Bien. Bien. Ça va plutôt bien, je me suis pété la gueule en faisant des répétitions pour un truc qu'on va faire. Je vais faire la zozo un de ces jours dans une de vos émissions. Faut quand même expliquer aux téléspectateurs qu'on est en train de préparer la grande émission qui passera en prime time. On a tout essayé, qui sera très différente de ce qu'on fait tous les soirs et qui passera le 2 janvier à 20h50 et que pour ça, il y a des chorégraphies. Et vous apprenez à danser, Maureen. Et donc me voilà avec une attelle. C'est pas vrai. Ah ouais? C'est ça le prime time sur France 2. Allez, il est temps de passer à la photo du jour et c'est celle, évidemment, et oui, encore lui, vous allez me dire, de Nicolas Sarkozy en visite à Sangatte hier et comme le titre Le Figaro ce matin, Speedy Sarkozy est déjà reparti. Eh oui, Speedy Sarkozy, c'est pas mal trouvé, Speedy, mais enfin, Sangatte, c'est quand même pas non plus un pot d'échappement. Hein. Reste que c'est vrai, le ministre de l'Intérieur n'arrête pas, enfin si, il arrête, c'est même son job, mais il n'arrête pas d'être partout, c'est ça que je veux dire. Il est partout à la fois. Sarkozy, en fait, il doit dormir comme les chevaux, vous savez, il dort debout, en fait. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Il est partout. Et vu le succès qu'a eu son émission en plus lundi soir sur France 2, certains pourraient croire qu'il a les chevilles qui enflent. Eh bien non, c'est une illusion d'optique. Parce qu'en fait, en début de semaine, Sarkozy enfile 7 paires de chaussettes d'un seul coup. Comme ça, il gagne du temps chaque matin. Il ne perd pas de temps en enfilant une nouvelle. Voyez, c'est incroyable. Reste évidemment que le succès de Nicolas Sarkozy commence à agacer à droite. D'ailleurs, Alain Juppé pense déjà à abandonner. Oui, à abandonner la politique pour le cinéma, par exemple. Moi, je le vois très bien comédien, Alain Juppé. Tiens, pourquoi pas à l'affiche du film de Jeanne Labrune qui sort aujourd'hui. Regardez l'affiche, c'est le bouquet. Autre photo, celle du chef du gouvernement espagnol, M. Aznar, un sujet qui nous concerne, mais qui vous concerne, ma chère Isabelle Alonso. Il a enfin parlé, M. Aznar, à la télévision espagnole à propos de la marée noire au large de la Galice. Comme quoi, le Aznar ne fait pas toujours bien les choses, puisqu'il a quand même mis trois semaines pour réagir sur cette catastrophe, car c'est une catastrophe pour le tourisme espagnol. Parce que c'est chouette, l'Espagne, il faut le dire et le redire. L'Espagne, c'est le soleil, l'Espagne, c'est les plages, et maintenant, l'Espagne, c'est son prestige aussi. Les déplacements de ministres, c'est comme les fleurs des hommes. Regarde, un ministre qui va faire un déplacement, ça fait plaisir à la région, on se dit, ça lui coûte pas très cher, ça lui prend une matinée. C'est comme les fleurs. Un homme offre une fleur à une femme, je te jure, ça lui coûte pas cher, ça fait tellement plaisir. Eh bien, je comprends pas pourquoi les ministres n'en usent pas plus que ça. C'est pour ça que Sarkozy, ça cartonne pour lui. C'est que lui, question ministre, question fleur. Ah bah, je suis sûr que maintenant, lui, il va arriver à Sangatte avec des fleurs. Revenons à l'Espagne, puisque pour l'Espagne, cette catastrophe écologique marque aussi la fin des corridas. En effet, quand on verra un taureau dans une arène, tout le monde soupçonnera que c'est une vachette qu'on a trempée dans l'eau. Et ouais. Revenons au prestige, hélas, ce bateau qui continue à perdre 125 tonnes de fioul par jour, nous dit la presse. Et la France continue à craindre pour sa côte atlantique, puisqu'on sait que ça va arriver chez nous. Alors peut-être que plutôt que Madame Bachelot, c'est Christine de Vieille-Joncourt que le gouvernement devrait envoyer sur place. En effet, quitte à ramasser du pétrole, autant prendre une pompeuse professionnelle non. payée par elle. Non, 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 non,
Pourquoi on parle toujours des pompeuses et jamais des pompées? Il y aurait pas de pompeuses si les mecs aimaient pas se faire pomper. Non, mais attendez, bien sûr. Ou quoi? Non, c'est pas bien. Pour en revenir au prestige, est-ce que vous avez vu les images filmées par le Nautil? Et non pas avec... la prestige. Aïe, aïe, aïe. On peut laisser tomber le sujet. Oh là là, mais c'est pas possible. Écoute, elle a fait un livre qui s'appelle La putain de la République, c'est elle qui le dit. Et alors, elle dit ce qu'elle veut. On peut passer à autre chose. C'est pas un livre à la Mormoelleux, je te dis. Est-ce qu'on peut quand même préciser que tout le pétrole du monde, le pétrole est quand même quelque chose qui se dégrade biologiquement et que dans 15 ans, il n'y aura plus de traces de ça? Non, parce que prôner la marée noire, quelque part, c'est pas... Non, mais je... c'est pas ce que je dis. Prône pas la marée noire. Mais c'est pas grave, dans 15 ans, ça... Mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi, je dans 15 dis ans, qu'on ne nous parle pas de la vraie pollution qu'on alimente. Si on te trimballait de la merde dans des bateaux pourris, c'est tout ce que je veux dire. Mais... Allez, pour connaître les affaires, Charles Pasqua a les honneurs du Parisien ce matin avec ce titre « Pasqua menacé par la justice ». Alors ça, c'est pas croyable. Ça, c'est un type honnête comme Pasqua, ça, nous, on a du mal à y croire ici. Hein. Franchement, le Parisien fait d'ailleurs la liste des affaires dans laquelle Pasqua serait plus ou moins mêlé, voire même mis en examen. L'affaire Falcon, le financement du RPF, l'affaire de la Sofremie, les affaires Marchiani, l'affaire Elf, j'en passe. C'est plus des affaires, c'est une garde-robe. C'est pas compliqué. Moi, je dis, il faut que les juges cessent de se laisser aller comme ça au délit de faciès vis-à-vis de M. Pasqua. C'est vrai que comme ça, on a envie de penser qu'il est malhonnête. C'est pas vrai. Souvenez quand même quand Charles Pasqua avait dit, c'était au moment où il pensait encore être candidat pour la présidentielle, il avait dit, M. Pasqua, vous pensez une seule minute que si j'avais quelque chose à me reprocher, j'aurais le front de me présenter devant les Français. Eh ben, non seulement il a le front, Pasqua, mais il a le nez, les oreilles, les yeux, les joues, la gueule en pierre. Même le type arrêté à bord, souvenez-vous du vol Miami-Paris, le fameux Richard Reid, je sais pas si vous vous souvenez de lui, il a l'air plus innocent que lui. Pasqua au milieu du Sahel, il aurait l'air mouillé. Franchement, faut arrêter. Maïté, Paul Bocuse, Bernard Loiseau réunis, ils ont pas autant de casseroles que Pasqua. Ça fait du bien, hein. Ah, aujourd'hui, on est énervés tous, hein, t'as vu, hein, c'est... Ah, alors, ouais. Allez, on termine par une nouveauté dont nous parle François, tout autre chose, le retour de la chasse à l'arc. Rien à voir avec Rosemary, je vous le dis tout de suite. Il y aurait maintenant des chasseurs plus écolos. En France, il y aurait 2000 archers chasseurs. Et pour échapper au flair des animaux, ils doivent laver leurs vêtements au bicarbonate de soude, se doucher au savon sans parfum et marcher à petits pas pour éviter toute transpiration. Bref, pour chasser à l'arc, deux solutions. Ou t'es vraiment propre, ou t'as une vraie odeur de bouc ou de sanglier. Tu vois, c'est pas compliqué. Je savais même pas que ça existait. Et c'est reconnu officiellement hein, en France depuis 1995, ouais. La chasse à l'arc. C'est pas mal, hein, je trouve, quand même. Ah si, là, il y a un vrai respect de l'animal. Mais attends, l'animal, respect d'animal, non, mais tu d'où il y a un respect de l'animal à partir du moment où tu le tues? Ne la joue pas qu'il faut tuer aucun animal attends, dans la nature. Pas... Alors, c'est pas ça, mais de là à dire tu respectes l'animal. Je vais t'aider, genre, quelle violence sur ce bateau. C'est vrai. Je voudrais vous tester, parce que ça va pas être facile, on rigole là comme ça, mais chasser à l'arc. Amenez-moi un arc et des flèches. On peut tirer dans qui on veut? Oui, dans qui vous voulez, mais Raï, cachez-vous. Ah, hein. Chacun son tour, alors Isabelle, essayez de voir. Je vise la caméra. Non mais attends, mais tu fous quoi? Mais non. Oh, je vais tirer dessus, mais je te respecte. Ok. Non mais vous êtes malade. Attends, attends, parce que comment on lâche? Lâche pas. Lâche tout, chérie. Lâche, lâche. Oh oh, j'ai tué une biche. Elle a buté Annie le moine. C'est une émission dangereuse. Je savais même pas que vous étiez capable de faire ça. Moi, j'ai bandé, ça, je sais faire. C'est après. C'est après. Bandé. Voilà. Tu allez, bandes, tu si j'ai suivant. Voilà. Jusqu'à lundi prochain, à la Porte de Versailles, à Paris, vous pourrez vous rendre à la 42e édition du Salon Nautique, qui est un succès cette année, puisqu'il semble que les Français sont de plus en plus passionnés par les bateaux. On compte d'ailleurs aujourd'hui près de 750 000 propriétaires d'un bateau en France, dont un cinquième de ces propriétaires qui vivent en Île-de-France. Il y aurait donc plus de marins près de Paris
qu'en Bretagne. Ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça. Dan Bolander, qui a lui le pied marrant, a testé pour nous délivrer les permis bateau. Regardez cette caméra cachée par Frédéric Gilbert. Et après, on parle du salon nautique et de la plaisance. A tout de suite. Bonjour, ici le capitaine Dan Bolander. J'ai testé délivrer le permis bateau. Un requin, il y a un requin! Mais non, on est au salon nautique. Vous avez votre permis bateau? Oui, je l'ai déjà. Ah, d'accord. Vous avez passé un examen pour l'avoir? Ah oui, ça fait très longtemps. Ah bah oui, c'est dommage parce que maintenant, vous pouvez directement l'acheter grâce au distributeur automatique de permis bateau qui va être installé dans tous les ports. Ah ouais. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui. Il n'y a plus d'examen, rien du tout? Non, c'est fini. Je trouve ça bizarre parce que n'importe quel, excusez-moi du terme, imbécile qui sait même pas lire et écrire, on va prendre un bateau. Toi, tu veux prendre mon scooter des mers, on l'achète et puis ça y est, on part avec. Oui, exactement, oui. Ça dure combien de temps pour faire le... Ah bah c'est rapide, hein, il y en a pour une minute. Hein. C'est dangereux si on vous donne le permis et puis que vous ne savez pas naviguer. Bon, attendez, c'est facile. Si vous savez même pas ce que c'est qu'à naviguer à tribord, à bâbord, le respect des feux et tout ça, tout ça, c'est quand même très important. Mais non, il faut passer un examen. Vous pouvez pas, n'importe qui peut pas prendre un bateau et acheter le permis. C'est quoi cette histoire? C'est devenu officiel. Mais on l'a automatiquement. Ah bah automatiquement, il suffit de payer et vous l'avez. C'est dangereux votre histoire. Les balises, les gens les connaissent pas, les bouées, les gens les connaissent pas, les phares et tout. Non mais attendez, c'est de la folie. Moi je préfère passer un permis, avoir des connaissances plutôt que de partir à l'aventure. Bah, les connaissances, vous les aurez par la suite en naviguant. Bien sûr, en ayant fait 2 ou 3 accidents. Au bon bateau, où est le plus beau des bateaux. Ça marche à l'étranger, ces permis-là? Ça marche partout, bien sûr, monsieur. Oui, ça marche à l'étranger. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre votre nom, votre adresse, ouais. Et le capitaine va vérifier les informations. Ouais. Voilà. Ce qu'il faudrait aussi, c'est une petite photo d'identité. C'est comme les forfaits de ski, en fait. Hein. Bon, est-ce que je peux vous payer avec une carte bleue? Vous n'êtes pas de la marine. Là. Donc, nous vendons maintenant le... Vous n'êtes pas de la marine. Le permis. Vous avez votre permis bateau, vous-même? Non, attendez, vous êtes qui, là, exactement là? Bah, vous êtes qui, vous? Bon, moi, je suis marin, je suis sur le temps de Marine Nationale. Là, messieurs, dames, ce qu'ils sont en train de faire, là, ils sont en train de vous vendre n'importe quoi. Ah non, c'est un permis avec des bateau. Uniformes, des gens qui sont pas marins. Messieurs, dames, là, on est en train de vendre du vent, là. Oh là, lui, c'est pas, lui, attention. Il est génial, le mec. Il dit, ils sont en train de vous vendre du vent, mais vendre du vent à des marins, c'est pas légitime. C'est plutôt pas mal, même. Reste que la plaisance est de plus en plus à la mode. D'ailleurs, il y avait un titre du Parisien qui disait « La plaisance ignore la crise, les Français achètent des bateaux ». Moi, ça me paraît, parce que c'est cher un bateau quand même. Cher. Ça me paraît ils s'en cher. Pas. Quoi? Ils s'en servent pas. Là où il y a le plus de marins, c'est en Ile-de-France. On se doute bien que la différence, il y en a peut-être moins en Bretagne, mais eux, ils s'en servent vraiment. Quoi. C'est ça la différence. Bon, on va accueillir quelqu'un qui s'en est servi de son bateau. La preuve, elle publie Cap vers Bonne Espérance avec toute sa famille. Elle a fait un tour du monde à voile pendant 4 ans, je crois. Elle va nous préciser ça. Je vous demande d'accueillir Michel Trousseau. Bonsoir, madame. Cap vers Bonne Espérance, Michel Trousseau publie ce livre. Bonsoir, je cherche, madame. cherche l'éditeur, je ne trouve pas l'éditeur. Multitude, parce que c'est pas écrit dessus. Petite maison d'édition. Si, si, à la dernière page, c'est marqué. C'est chiant pour l'animateur, ça. Oh, pas de problème. Oui. Pourquoi vous, dans la vie, vous naviguez, vous menez votre barque ou bien vous ramez? Dites-moi tout. Là, il rame. Réponse. Je me gondole, madame. Très bien. Bah, alors vous n'étiez pas au départ navigatrice, vous étiez montagnarde avec votre famille, c'est bien ça? Oui, j'étais montagnarde, j'habite la Savoie, nous étions passionnés de montagne avec mon mari, Didier. Bon, il connaissait bien la navigation puisqu'il avait pratiqué des régates et des compétitions en voile. Et donc, on a fait des mélanges de nos passions, parce que c'est notre nature, c'est comme ça. Non. Sauf qu'on ne fait pas de la voile en Savoie. Oui, ah, c'est attention, la Dalcy. Puis en même temps, elle a traversé les Alpes en bateau, je les ai vus. Bon, enfin bon, c'est de la rigolade à côté de ce que vous avez fait là. Non, mais attendez, sur le lac du Bourget, d'abord il y a un projet Grand Lac, faut en parler aux politiciens. Savez-vous que les politiciens sont des spécialistes de la navigation? Non, madame. Tout à fait, puisque leur côte, elle est de temps en temps au creux de la vague. Ah oui, mais parfois ils prennent le vent en poupe. Oui. Ah aussi. Ah, ça marche pour eux, ça avance. Oui. Ça et avance. Votre mari Bruno Mazur, ça va toujours. Mais attention.
attention. Savez-vous ce qui leur arrive aux politiciens? Non, madame. Eh bien, de temps en temps, eh bien, le vent tourne pour eux. Ah oui. Très bien, Mme Trousseau. Et à ce moment-là, savez-vous ce qu'ils font? Non, Mme Trousseau. Eh bien, ils virent de bord. Ah oui. Alors, qu'ils avaient fait? Quel parcours vous avez fait pendant 4 ans, alors que vous n'étiez pas des vrais navigateurs au départ, à part votre mari peut-être un peu plus? Voilà. Vous êtes partie avec vos enfants d'abord? Alors, nous avons 4 filles et nous avons emmené les 2 premières pour faire de l'escalade en Afrique, parce que c'était notre passion. Et puis, nous sommes donc partis pendant 1 an. En direction en photo, du Cap de Bonne-Espérance. Est-ce que vous connaissez le Cap de Bonne-Espérance? Oui, mais c'est un examen oral. Est-ce qu'on peut noter ou bien... Parce que j'ai besoin de passer un examen. Ah, non, mais c'est la prochaine. Moi, j'ai l'impression d'être à une soirée diapo chez quelqu'un que je connais pas. C'est exactement ça. Est-ce que vous n'êtes pas institutrice, sinon? J'étais prof de maths. Voilà. Tout s'explique. Savez-vous qu'est-ce qui caractérise un professeur de mathématiques? Non. Les seins. Parce que moi, j'avais une prof de maths et elle écrivait hyper vite parce qu'au fur et à mesure, il fallait recopier parce qu'au fur et à mesure, elle effaçait tout ce qu'elle écrivait au tableau. Non, non. Vous n'y êtes pas. Le professeur de mathématiques, c'est quelqu'un qui aime les inconnus. Elle est drôle, cette dame. Madame Trousseau. Mais d'abord pas Madame Trousseau, Michel Trousseau. Michel Trousseau, oui, Trousseau, pardon, Mimi. Oui. Michel. Ma biche. Revenons à votre bouquin, là, un moment. Vous êtes parti combien de temps? Il y a combien de temps que vous êtes revenu? En 98, 4 ans. Il y a 4 ans. Et quand est-ce que vous repartez? Vous êtes rentré et pas reparti à cause des enfants, parce qu'il faut bien les emmener à l'école. Pendant 4 ans, ils font quoi, les enfants? Ah, c'est maths. Pas un problème. On a de la chance en France, hein, parce que... Ah, ça y est, je vais encore vous parler d'école, mais il y a le CNED. C'est le Centre National d'Enseignement à Distance. Vous partez avec des livres, et après, tous les jours... non, pas pendant les tempêtes, mais tous les jours, vous travaillez avec eux. Il y a des moments formidables. Par exemple, vous quittez le Chili, et puis vous arrivez aux Marquises. Combien de jours, à votre avis? Alors, Chili Marquise, ça dépend des embouteillages. Ça fait 8 mois. 17 jours. 8 mois. 40 jours pour nous. Isabelle, vous ne connaissiez pas Mme Trousseau? Ah, ça, je vais vous dire un truc, je ne suis pas déçue du voyage. Alors? Non, je voulais juste... Quand j'ai lu la documentation, moi, franchement, être sur un bateau, c'est un cauchemar pour moi, parce que je suis malade en bateau. Donc, vraiment, le charme du truc m'échappe complètement. Mais je trouve absolument magnifique cette expérience que vous avez d'être parti faire ce tour du monde en famille, d'avoir renoncé à... finalement à tous nos systèmes de valeurs pour faire quelque chose qui est uniquement à vous, avec votre mari et vos gosses. Je trouve ça superbe. Cap vers Bonne-Espérance. Jean-Benguigui, vous? Moi, je pense que dans ma vie, il y aura deux grandes étapes. C'est avant de rencontrer Michel Trousseau et après. Moi, je passerai bien un week-end avec elle pour faire des maths. Michel Trousseau, cap vers Bonne-Espérance. L'éditeur, c'est... Éditeur Multitude, ça y est, mais vous m'avez déjà posé la question, on va pas revenir là-dessus. Ouais, c'est pas à vous que vous allez embêter mon copain. Alors, elle est vraiment géniale, cette dame. Elle prépare des petits trucs pour nous faire rire. Et elle se fout totalement de la promo de son bouquin. Si, si, quand même, il faut que vous disiez que nous étions en minibus d'abord, et d'abord montagnard, et puis qu'il fallait emmener 2 enfants, et puis après 2 autres enfants au bout du monde. Vous laissez les clés, hein. Nous, on est obligés d'y aller. Hein. Allez, allons-y. Non, on va discuter toutes les deux. Il faut que nous restions ici toutes les deux. Oui, non, mais moi, je vais discuter avec vous, je vais vous poser des questions. Si on a le droit de partir. Voilà. Allez, on vous remercie, madame Michel Trousseau. Cap vers Bonne-Espérance, c'est une belle expérience, bravo. On a rigolé avec vous, on a déconné, mais... On peut comprendre qu'après 4 ans comme ça de vie, de rêve, puisque c'était votre rêve, on paraisse un peu crétin, nous, sur Terre, à être restés à faire notre petit boulot quotidien. Voilà, merci et bravo. C'était pas le but. Autre chose, autre sujet. La semaine dernière, à Londres, vous le savez, a eu lieu
la 52e édition du concours des Miss Monde. Concours qui sera d'ailleurs rediffusé vendredi prochain sur la chaîne Paris Première pour ceux qui ont le câble ou le satellite. Les commentaires seront assurés par Christophe Roux et par Caroline Chamoran. Caroline Chamoran, vous ne la connaissez peut-être pas, mais c'est la Miss France qui était présente sur place. Je devrais dire Miss World France, puisque elle n'est pas reconnue, vous le savez peut-être, par Geneviève de Fontenay, qui nous représentait, elle, à l'élection des Miss France et qui n'est pas allée au concours qui s'est d'abord passé au Nigeria, qui a été rapatriée, vous le savez, pour des raisons terribles, de nombreux décès, des lapidations là-bas au Nigeria. Bref, cette année, résultat, c'est une Miss Turque qui a gagné, qui a été élue Miss Monde 2020. Et quand on la voit d'ailleurs, on se dit que faire rentrer la Turquie dans l'Europe, ce ne serait pas une si mauvaise idée. C'est Jean Benguigui qui a décidé de tester pour nous la fierté des Turcs pour leur Miss Monde. Regardez cette caméra cachée par Frédéric Gilbert. Et après, on accueille Miss World France. Salut, c'est Benguigui. Aujourd'hui, j'ai testé la fierté des Turcs pour leur Miss Monde. Hein ? Elle est pas mal, non ? Asla. Oh, Asla. Et si un truc marche comme ça, ça vous reste chez les femmes. Vous savez, quand j'ai eu l'occasion de voir à travers la télévision et la presse française, avec mon épouse moi-même, nous sommes honorés. L'image est importante. C'est un... Nous sommes fiers d'avoir donc une reine Miss Monde comme Asra. Hein? Bisous, monsieur l'observateur. Ouais. Voilà. Nous sommes comblés de fierté et de bonheur. Elle est très, très belle. Plus, je sais qu'elle est polyglotte. You understand French? French, yeah. Yeah. Vous êtes bienvenue. Vous êtes chez vous. Surtout Asra aussi, vous aussi. Moi, je ne vois rien, je suis fier et je suis fou de vous. L'ambassadeur arrive. Oui. Je suis adresse. Monsieur l'ambassadeur Bernard Benayoun, comité Miss Monde. Mm. Nous avons démontré que nous sommes un pays déjà très mondain, avec Miss Ford. Si j'étais plus jeune, bien entendu, je l'aurais regardé avec un autre œil. Mais pour le moment, j'ai dit qu'elle est vraiment très belle. Mais je crois qu'elle est plus jolie que ce qu'elle montrait à la télévision, parce que elle a, je crois que une beauté très naturelle. J'en suis fier d'ailleurs. Ou un bisou. Voilà. Quand elle a été élue, bien entendu, nous avons souhaité dans notre siège en criant et en disant « Vive la Turquie d'abord et vive la Miss World ensuite ». Vous n'avez pas honte, Jean Benguigui. Alors, plusieurs choses. Vous avez bien compris, évidemment, qu'il s'agissait d'une fausse Miss Turquie. Bah, elle est pas mal, hein, pour une fausse Miss. Alors, merci à monsieur l'ambassadeur d'avoir accepté qu'on diffuse ces images. On lui a fait perdre son temps. Ça prouve qu'à l'ambassade de Turquie en France, on a de l'humour. Ouais, c'est absolument. Déjà une bonne chose. Ouais, ouais. Jean-Luc Lemoine. Non, je voulais juste dire aussi merci à l'ambassadeur pour ses Ferrero Rocher. Mais bon, c'est autre chose. On va essayer de comprendre ce qui se passe en accueillant tout de suite Miss World France ainsi que le président de l'Association internationale des concours de beauté pour les pays francophones, Caroline Chamoran et Michel Leparmentier. C'est vrai que c'est un peu compliqué hein, pour s'y reconnaître. Est-ce que j'ai à peu près bien expliqué la chose ? Très bien, très bien. Nous, on adore même De Fontenay. Et c'est vrai que les raisons pour lesquelles elle avait décidé de boycotter cette année l'élection au Nigeria, c'était les bonnes raisons. N'étaient pas les bonnes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que madame, vous l'appelez la dame au chapeau, depuis 4 ans, ne participe pas à l'élection de Miss Monde. Pour des raisons que vous avez indiquées tout à l'heure, mais ce n'est pas du tout la Miss Monde. Parce qu'elle est trop vieille. C'est pour ça. Selon vous, pourquoi alors Madame de Fontenay et ses Miss ne vont pas là-bas? Le comité Miss Monde, depuis 4 ans, a refusé la participation des Miss de Madame de Fontenay. Et c'est le comité Miss France, Miss Europe, Miss Univers. Pourquoi? Il doit y avoir une raison. Parce que Madame de Fontenay n'envoyait pas les Miss en titre à l'élection de Miss Monde.
une obligation qui est donnée dans la licence. On doit envoyer la Miss en titre à l'élection de Miss Monde. Et depuis des années, Madame de Fontenay n'envoyait que des dauphines et même des Miss de l'année précédente. Et pourquoi c'est pas son intérêt? Ben, si, parce que sinon, qui sait qui va au salon de l'agriculture? Pardon? Sinon, qui fait l'inauguration du salon de l'agriculture? Parce que son élection a lieu donc au mois de décembre et au mois de novembre, pendant l'élection de Miss Monde, elle a besoin de sa Miss France pour promotionner l'élection. Bref, vous avez réussi à envoyer votre Miss à vous. Ben voilà, donc, et ça sera peut-être la même chose pour un autre concours international, on vous en parlera par la suite. Vous avez terminé combien, vous, là-bas, alors, à Londres? J'ai pas été dans les 20. Elle a été éliminée au premier tour, j'ai vu les résultats dans l'équipe. Voilà. Ouais, vous êtes la Lionel Jospin du concours Miss. Merci pour la comparaison. Ah ben pour moi, c'est une bonne comparaison. Ouais. J'ai lu que, une chose incroyable, c'est que vous vivez seul. Oui. Est-ce que vous voudriez que ça change? Non, pas du tout. D'accord. Alors, sinon... Je suis désolée. On a quand même oublié, je pense, ça a été énorme, cette histoire, le Nigeria, 200 morts, les chrétiens contre les musulmans, c'était surréaliste. On vous a rembarqué dans des avions, on vous a ramené à Londres, et peu de gens, on a entendu peu de gens parler de ça parmi les gens qui étaient sur place au Nigeria. Vous, comment vous l'avez vécu, quoi? Mais nous, en fait, on était quand même très encadrés, on est restés à l'hôtel. Mais le fait qu'il y ait eu 200 morts, je ne sais pas, quand il y avait eu... ça n'a rien à voir. Je déplore totalement le fait quand même. Est-ce que vous pensez que c'est décent, finalement, que ce concours, qui a dû être annulé au Nigeria, ait quand même eu lieu à Londres? Est-ce que finalement, on n'aurait pas dû l'annuler cette année? Je vous rappelle que le Nigeria, il y a eu 2000 morts au Nigeria il y a 2 ans. On n'en a pas parlé et les Miss n'étaient pas au Nigeria. Alors, il y avait quelque chose peut-être d'un petit peu provocateur à organiser cette compétition au Nigeria pendant le Ramadan. Pour les gens dont c'est la religion, ça peut être un petit peu choquant, ça, on peut très bien le comprendre. Et il y a aussi, pour les femmes en tout cas, le sentiment que les conflits s'est fait entre des hommes qui veulent voiler les femmes pour des raisons religieuses et d'autres hommes qui veulent les exhiber pour des raisons financières. Et l'un dans l'autre, c'est pas les femmes qui y gagnent. C'est une belle analyse, hein, quand même. Si je peux me permettre mon point de vue et essayer de résumer la situation, il y a deux comités. Alors, il y a le comité Miss France, qui a plutôt, il faut le dire, notre sympathie. On trouve Mme de Fontenay plutôt marrante, plutôt gentille. Puis elle a, c'est vrai, pris des mesures plutôt antiracistes, plutôt combattue pour le fait qu'il y ait une première Miss de couleur en France. Ça, vous êtes plutôt d'accord, c'est plutôt absolument, bien. Absolument. Oh, n'oubliez pas que l'élection de Miss Monde a été vendue. L'élection de Miss France a été vendue 10 millions d'euros. À une société. Quand on nous dit, c'est vous qui faites du business, non. Nous sommes une association sans but lucratif. De l'autre côté, il y a une société commerciale qui a été vendue 10 millions d'euros. Donc là, il y a du business. Jean-Luc Lemoine. Là, on le voit bien sur cette photo, ça résume tout pour moi, les Miss. C'est-à-dire que les Miss ont un sourire magnifique qu'elles gardent en toutes circonstances. Et ça, c'est ça aussi qui fait le charme de ces élections. Et ce que je voudrais voir ce soir, et ce que je voudrais montrer, c'est savoir si les femmes qui sont autour de ce plateau peuvent participer à un concours, donc si elles peuvent garder ce sourire dans n'importe quelle situation. On vérifie d'abord, c'est vrai, il faut toujours garder le sourire? On n'est pas non plus obligé de sourire 24 heures sur 24. Mais quand on défile, êtres humains, quand on défile, vaut mieux. Oui. Alors le test. Au moment où elle gagne, elle pleure toujours. Hein, donc c'est sourire et puis un petit coup, on pleure. Alors ce que je propose, c'est que Maureen, Isabelle, Annie et Mademoiselle, vous allez défiler. Et moi, non. Écoute, on y a pensé. Vous a confié Il faut expliquer quelque chose. Parce qu'il y a quand même une petite difficulté, sinon c'est trop facile de défiler. Soit elles vont avoir des chaussures trop petites, soit trop grandes, et des chapeaux ridicules. Et on va voir si elles réussissent à garder ce sourire. Voyons voir d'abord Miss World France. Caroline Chamoran. Ouais, c'est pas mal, hein. Elle a perdu juste un moment. Maureen. Miss Belgique. Le sourire. Miss Espagne. Wow. Miss Espagne, très jolie. Et Miss Canal Plus. Moi, je dis,
chapeau. Non, elles ont su garder le sourire. Oh, mais c'est magnifique, la petite Miss Belge avec son bandage. C'est magnifique. C'est... On avait envie de donner, hein. Exactement. Si vous voulez, envoyez vos dons pour Maureen Dove. Faire un Norton. Le Norton pour un nouveau genou. Bah écoutez, on vous souhaite en tout cas plein de bonheur d'arriver à faire ce que vous avez envie de faire dans la vie. Il y a d'autres concours de prévu? Oui. Lequel, par exemple? En Russie, il y a Miss Eurasia, il y a Miss World Université. Et c'est elle qui ira? Oui. Mais là, Mme de Fontenay ne peut pas envoyer la sienne non plus? Et est-ce qu'il y en aura un jour, comme en Russie, Miss Prison? Non mais c'est vrai, on y pense, on y pense. Pourquoi pas, on y pense. Mais attendez, monsieur. En tout cas, moi je déclare, trois Miss, on a tout essayé. Maureen Dore, Isabelle Alonso et Annie Lemoine. Merci à tous les deux. Priscilla, c'est le nom. Si vous, les parents, vous ne connaissez pas, vos enfants connaissent. Priscilla, c'est le nom de la nouvelle coqueluche de tous les collégiens. Et depuis le 3 décembre dernier, son nouvel album Priscilla, ainsi que son single Regarde-moi, sont disponibles un peu partout. Les 8 et 9 février, elle sera à l'Olympia, donc en 2003, mais aussi en tournée jusqu'au mois de juin. Cette jeune fille a beaucoup de talent, elle a 13 ans. Pour tester ensemble Priscilla, accueillons tout de suite celle qui a obtenu un disque d'or avec son premier album, Cette vie nouvelle. Voici la jeune Priscilla. C'est dingue. Tu as 13 ans et tu as déjà deux albums à ton actif. Ça paraît incroyable, cette affaire-là. Ouais. Et moi, je te connaissais pas il y a encore quelques semaines, je dois dire. Parce que c'est vrai que ton public, c'est plutôt les gens de ton âge. Oui. Oui. Dans les collèges, dans les lycées, les ados. C'est Laurent qui aurait dû reprendre l'école des fans. Hein. Pourquoi? C'est ton public. mais c'est pas vrai, je trouve qu'elle fait... Écoute, tu sais, quand je la regarde, elle me fait penser à Maureen Dore dans 10 ans. Mais je crois qu'elle se manque un peu de vous, quand même. Pardon? Je sais pas, elle a le même type que vous. C'est-à-dire? Avec le stylo, vous avez pas vu? Qu'est-ce que tu fais avec ton stylo? Mais je vous refais. Tu te fous de ma gueule. Voilà. Okay, ouais. Nouvelle chanson, Regarde-moi, tirée de ce nouvel album Priscilla. Il y en avait eu déjà un album qui avait été disque d'or, je l'ai dit, qui s'appelait Cette vie nouvelle, oui. Qui était une adaptation française d'un tube, c'est ça? Oui, de What qui a c'était? Feeling. De What a Feeling. What a Feeling, d'une comédie musicale Flashdance. Comment on peut être si jeune, avoir envie déjà de faire ce métier? C'est pas vraiment un métier pour moi, c'est vraiment ma passion, quoi. C'est vrai? Oui, je vis ma passion, je prends pas ça comme un métier, en fait. Ben d'ailleurs, c'est chez votre tata Jacqueline, je me suis documenté, hein. Oh ouais. C'est chez votre tata Jacqueline que vous avez commencé à chanter et à impressionner toute la famille. Oui, en fait, c'était pour une fête de famille, c'était pour un anniversaire. Et puis moi, j'ai décidé de chanter, donc j'ai dit à ma mère, s'il te plaît, je voudrais chanter, s'il te plaît. Et elle m'a dit, mais tu veux chanter quoi? Ça lui paraît, ça lui est passé au-dessus, là. Mais tu veux chanter quoi? J'ai dit, moi, l'hymne à l'amour. De Piaf. Voilà. Ta mère chante? Non. Ton père chante? Sa soeur, oui. Sa soeur. Ah. Ma sœur Sandra va pas tarder à sortir son single dans pas longtemps. Ça va être l'enfer dans la famille. Ça fait drôle. Moi, j'ai eu la même histoire. Ah oui? J'étais à une fête de famille, j'ai chanté l'hymne à l'amour, et mes parents m'ont dit tout de suite, arrête. Ah, et juste comme ça pour nous, juste le début de l'hymne à l'amour, alors? Oui. Allez. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler, peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Monde entier, à chaque fois. Allez, revenons à l'actualité. Avec Regarde-moi, c'est le single extrait de ce nouvel album de Priscilla. Il est sorti il y a déjà quelques mois, l'album, mais le nouveau single, c'est Regarde-moi et regardez le clip. Regarde-moi, l'album est sorti il y a quelques mois, le single
est encore tout frais dans les bacs, hein, celui-là. On peut se le procurer là, maintenant. Est-ce que vous l'avez fait écouter à votre fille, Fanny? Bah oui, oui, elle adore ça. Elle, ça y est, maintenant, la musique, c'est parti. Et hier soir, on l'a écouté tous les deux avec Jean. Ouais, il m'a même invité à danser un rock. Ouais, ouais. Ouais, mais ça, ça reste entre nous. Priscilla sera à l'Olympia les 8 et 9 février prochains. Ce sera la première fois ou tu es déjà passé? Non, ah non, ce sera la première fois. Ce sera la première fois. Bah oui. Ça va être dur. Ok, mais c'est dur de chanter à l'Olympia. Il peut pas s'empêcher. Hein, les petits éléphants. Isabelle Alonso. Ben, moi, je voulais te dire, c'est pas bien du tout les gens qui ont imprimé les paroles de ton album. Hein, parce que danseur en français, ça s'écrit avec un S, pas avec un C. C'est marqué avec un C? Oui. Mais c'est la version internationale, danseur. Jean-Luc Lemoine. Bah, je ne l'ai pas dit depuis longtemps, mais je pense que c'est l'album de la maturité. c'est sûr et certain. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que j'ai lu dans la documentation te concernant que ton premier album, tu l'as sorti en juin, si c'est bien ça. Je ne sais plus. On va dire que oui. Non, parce que là, on est en décembre, mais il y a un deuxième album. Comment ça fait que tu sois aussi pressé? Est-ce que tu veux prendre ta retraite à 14 ans? Avoue que c'est rare, deux albums par an, tu sais. Oui, ça. C'est très rare. Et ce que je voulais te demander surtout, c'est qu'est-ce que tu penses des vieilles chanteuses comme Laurie et tout ça? Pour Britney Spears, ça, c'est ton idée. Ah, elle m'a beaucoup parlé de vous. Et alors vrai, hein. Elle m'aime bien? Ça va, hein. Qu'est-ce qu'elle a dit sur Raphaël Mesraï, Britney Spears? Non, elle est sympa. L'interview elle est sympa, Britney. Mais il l'a piégée, même. Ouais, ouais. Est-ce que tu connais toutes les chansons de Britney? Oui, je suis connu par les gens connus. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'Académie de Chavannes, en même temps. Britney Spears, la future Britney Spears française, on dit même de toi. Alors, est-ce que tu connais toutes les chansons de Britney? Oui. Toutes? Oui. Bon, même la toute dernière? Boys. Ah, c'est celle-là, la toute dernière. Alors, l'avant-dernière? Girls. Bon, on va pas. Allez, cinq chansons. Plus, hein. Oups, I did it again. Tu connais ça? Oui. Ah, ça, c'est. Oups. Oups, I did. Bah, écoute, on va t'offrir un cadeau pour Noël. T'as encore l'âge de recevoir des cadeaux du Père Noël. Bien sûr. Ah, tu as gagné un karaoké. Bien. À domicile, t'en as déjà un? Non. Non, bah voilà. Non. Alors écoute, c'est pas. Bah moi non plus, hein. Méline va le mettre en route pour toi. Tu vas voir sur l'écran défiler les paroles de Oups, I did it again. On encourage. Oh baby, I'm mine, seem like a cross, but they don't mean what I'm saying. Pursues all that is and that it just. Je l'avais en stéréo. Je vous assure qu'elle fait super bien Britney Spears. Viens là, Nino Moine, viens à côté de Priscilla. On va tous crever, voilà, par les ferrets. On va tous crever. Allez, Annie. I think I can see the chocolat, moi. When you believe. Tu me fais ce cake. Priscilla, l'album, le nouveau single, Regarde-moi, Teste-moi, Déteste-moi. Merci Priscilla. Merci à vous. Autre chose, dimanche dernier,
Notre nageur français, Franck Esposito, a battu pour la quatrième fois le record du monde du 200 mètres papillon en 1 minute 50 secondes et 73 centièmes. C'est l'Allemand Ruprat, j'espère que je prononce bien son nom, on va lui demander, qui jusqu'à présent détenait le meilleur temps. Mais vu la carrière de Franck Esposito, c'était bien normal, après tout, qu'il reprenne ce qui lui était dû. Cela dit, ce record a été obtenu dans un petit bassin. Moi, je dis que s'il avait pied, c'est pas vraiment du jeu. Mais on va tester tout de suite ensemble ce champion qui, depuis 1990, accumule les succès. Il est aussi le capitaine de l'équipe de France de natation. Voici monsieur Franck Esposito. Hey, vous, vous êtes une vraie star. Hein. Non, pas du tout, non. Ah, si, je peux toucher. Je peux toucher du vrai. Mais attendez, j'ai l'impression qu'il y a des épaulettes. Non, 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 c'est ses épaules. Jean-Luc, tu regardes un peu à quoi tu ne ressembleras jamais. Écoute, si ça peut m'éviter que tu me touches, je suis content. Ah, il dit pas la même chose, Franck Esposito, il est plutôt content. Hein. C'est agréable. Oh là 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 là. C'est quand même un dos d'homme. Ouais, mais c'est une fiotte sur le cadre. Ah non, c'est beau. Alors, est-ce que j'ai bien prononcé le nom de celui à qui vous avez ravi ce titre de recordman du monde, l'Allemand? Thomas Ruprat. Comment vous dites? Ruprat. Ruprat, fallait dire. Voilà. Ruprat. Au 200 mètres papillon, ça, c'est votre discipline préférée dans la natation? Oui, oui. Pourquoi celle-là plus qu'une autre? Je me suis toujours posé la question. Ben, parce que c'est la nage où je me sens le mieux. Donc, le papillon, on nage toutes les nages à l'entraînement, mais c'est vrai qu'en papillon, je me sens bien. C'est un état d'esprit. Il faut être assez souple des épaules, assez endurant. Donc, voilà. Alors, en petit bassin, parce que nous, attention, alors là, moi, faut voir comment je nage, les copains qui m'ont déjà vu en piscine... C'est remarquable. ...peuvent témoigner. C'est alors, 200 personnel. Mètres papillon, c'est quoi? Mètres papillon, eh bien, c'est en petit bassin, donc c'est 8 longueurs. C'est un bassin d'hiver, c'est un bassin de 25 mètres. Et l'été, c'est un bassin de 50 mètres. Laurent, c'est comme ça, le papillon. Ça, c'est le petit chien. Ça, c'est autre chose. C'est super dur, c'est ce qui te fout les plus... Parce que alors là, j'ai à peine touché son dos, mais je vous dis pas les tablettes de chocolat, à mon avis. Enfin, elle essayait de suggérer que vous montriez votre... Une tablette de chocolat, mais fondue. Non, toi, c'est bien tout. Excusez-nous, monsieur Esposito, excusez-nous. Bon, alors, et en petit bassin, alors ça veut dire qu'il y a un record en grand bassin, un record en petit Exactement. Bassin. Mais c'est plus dur en petit, en grand, c'est quoi C'est plus rapide en 25 mètres. À chaque fois qu'ils font un virage, ils repartent et ils font la moitié du bassin. Si quelqu'un à côté de vous met des palmes... Ah non, c'est interdit. Mais évidemment, non mais genre... Quoi, évidemment pas, genre vous le verrez pas. Pour rigoler. Ok. Est-ce que malgré tout, vous le battez ou pas? Non, je le bats pas, bien sûr. Et sinon, il faut vous prendre combien de mètres d'avance pour que vous... Mais non, je vous dis ça parce qu'un jour, j'ai Elle a envie d'être attrapée dans un bassin par Franck Esposito. Elle a des fantasmes. Un jour, j'ai dîné avec Stéphane Caro. Formidable. D'accord, qui racontait qu'en fait, à un certain niveau, pour avoir une seconde en moins, c'est un travail incroyable. Enfin, et que, mon Jules qui a voulu faire un pari avec lui en disant, mais en combien de mètres est-ce que je peux te mettre? Qu'est-ce que tu dis? Ça fait 25 mètres, d'accord? Ça fait 25 mètres. Ah non, imaginons ça que Franck... Ça fait 30 centimètres. 27, oui. Hé, ton mari t'a raconté n'importe quoi. J'ai une blague imbécile qui n'a rien à voir avec le sujet. Qu'est-ce qui fait 28 cm et qui est blanc? Pas. Rien du tout. Si ça fait 28 cm, c'est noir. Bon, bah écoutez, on va revenir à la natation, vous êtes d'accord? Oui, quand même. Qu'est-ce qui fait que vous tenez depuis 10 ans? Parce que vous avez 31 ans, c'est déjà pour un sportif un âge avancé, on va dire. Qu'est-ce qui vous donne encore l'envie de battre des records, d'être champion de France? Qu'est-ce qui vous pousse à nager encore comme ça? Sentir le chlore. Non, mais ça c'est pas gênant, mais c'est un plaisir, c'est une passion avant tout, donc je vis ma passion à 100%. Mais malgré mon âge, je ne vois pas pourquoi je devrais arrêter. À 30 ans, l'homme est en super forme. Je suis content le matin de me lever. Je suis content le matin de me lever, aller à l'entraînement, voir mon entraîneur. Vous risquez de devenir la Jeannine Longo du maillot de bain, vous comprenez? Tant mieux, parce qu'à son âge, elle a remporté quand même de gros titres. Jean-Luc Lemoine. Non, j'ai vu que vous avez... Oui ou non? Oui, non, peut-être, je ne sais plus. J'ai repéré votre tic. Oui, mais c'est moche de le dire à tout le monde. Vous avez battu votre corps dans la piscine d'Antibes, ce que vous aviez déjà fait auparavant. Et c'est là où vous vous entraînez. Alors,
pour réussir un record, il vaut mieux être chez soi ou est-ce que la piscine, elle fait 24 mètres là-bas? Non, 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 elle fait 25 mètres. Elle a été mesurée juste avant le record, donc elle fait bien 25 mètres. Ce qui est difficile, c'est de nager chez soi. Je préfère nager à l'extérieur quand même. Moi aussi. Chez moi, en plus, j'ai pas de piscine, donc je veux dire, c'est beaucoup plus difficile. Alors, on touche un point important. Vous dites, la piscine est remesurée. Pourtant, elle bouge pas. Une piscine, c'est toujours la même. Hein. Je vois pas pourquoi, qui pendant la nuit l'aurait raccourci ou rallongé. Il y a certaines piscines qui font. Parce qu'il y a des plaques électroniques. On rajoute des plaques électroniques pour le chrono. Il y a eu ainsi une mésaventure il y a quoi, 8 ou 15 jours, arrivé à Rouen, je crois. À Rouen, c'est ça, ouais. Et c'était qui ça déjà? Julien Sicot. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Eh bien, le bassin est trop, fait 25 mètres 0,2, par exemple, ou 0,1. Donc, il a battu un record de France sur 50 mètres nage libre, crawl. Donc, le record n'a pas été homologué. C'est encore plus méritoire. Mais ça doit faire 25 mètres. Et voilà, ben alors. Oui, il s'en fout, il s'en fout. Il a le record sur 25 mètres 0,2. C'est ça. Comment vous expliquez qu'il y a quelques années, on avait des bébés champions, des gosses de 14, 15 ans qui... Et qui faisait des carrières extrêmement courtes. Bah oui, dans la pub pour Evian surtout. Ouais, dans la pub pour Evian. Et maintenant qu'on voit. Et maintenant, la carrière des nageurs est beaucoup plus longue. Il y a souvent des maturités qui sont plus tardives. Ouais. Et la carrière est plus longue. Est-ce que les méthodes d'entraînement, c'est quoi qui a changé? Oui, les méthodes d'entraînement. Et puis c'est une natation qui devient plus professionnelle. On commence un petit peu à toucher d'argent. Donc c'est vrai que les carrières se prolongent un petit peu. Et puis tout le monde en profite. Il n'y a rien de plus beau que de vivre de sa passion, donc on essaye d'aller le plus loin possible. Champion du monde, champion d'Europe, médaillé de bronze olympique. Bon, je vais arrêter parce que c'est plus un palmarès, là. C'est les affaires de Charles Pasqua, là encore. C'est dingue, dingue. Bref. Vous êtes un de nos plus grands champions français, donc on a été ravis de vous recevoir, monsieur Esposito. Vous êtes une star dans votre sport, mais je crois dans tous les sports aujourd'hui. Vous êtes un des plus grands champions français. D'ailleurs, vous allez recevoir, je crois, une distinction. L'Académie française des sports. Ah, je ne suis pas du tout au courant. Et en fait, est-ce que vous connaissez l'Australien au grand pied, là? Yann Thorpe. Yann Thorpe. Bien sûr, ouais. Il a vraiment des plus grands pieds que vous? Et il fait du 56, ouais. Du 56. Et moi, du 43. Et vous, du 43. 43. C'est incroyable, hein. Une vache. Quoi? Faut une vache par chaussure. Franck Esposito, encore bravo, la France est fière de vous. Vous restez avec nous. On a un jeu à vous proposer. D'accord. C'est le dernier jeu de l'émission. Est-ce que vous le connaissez? Bien sûr. Ça s'appelle Le Kikavuki. Le Kikavuki, c'est parti. Il s'agit de retrouver qui sont sur ces photos. Première photo, c'est parti. Mireille Dumas. Non, c'est pas Mireille Dumas. Jeanne Labrune. Qui ça? Jeanne Labrune. Jeanne Labrune, bravo Jean-Luc Lemoine. Je disais Simone Sarandon, non. Mais une cinéaste, tout de même réalisatrice, effectivement, son film sort aujourd'hui, c'est le bouquet avec entre autres Sandrine Kiberlin et Jean-Pierre Darroussin. Faut le faire, Lemoine, vous connaissez même le visage des réalisatrices. Oui, non, non, mais je m'intéresse au cinéma, ouais. Bon, c'est bien Jeanne Labrune. Deuxième Kikavuki. Iman Bowie, il l'a dit, bravo, et Franck Esposito. Et le monsieur à côté. Et David Bowie. C'est David Bowie. Et son épouse. Mmh. Vous connaissez bien la vie des people comme ça? Pas trop, non. Autre Kikavuki. Ah, oui. Ça, c'est qui, c'est Rocco. Hey, il est imbattable, là, Rocco. Rocco Madonna, le fils de Madonna. Rocco Madonna. C'est un garçon, tu dis Rocco Madonna. Tu dis pas Rocco Madonna. Comment vous... Vraiment, vous m'épatez. Vous avez le temps de lire entre deux jeunes âges? Mais je crois qu'un agent, il doit lire en entraînement. Dans les avions, ouais, pas mal. Ah, faut le faire, ça, quand même. Reconnaître le petit de Madonna. Bah oui, c'est le petit Rocco. Autre qui a vu qui? Madonna. Il connaît encore, bah ça alors, Lourdes Madonna, la petite, la grande sœur. C'est pas l'enfant, c'est la mère. Madonna. Et la mère. Et la mère. Vous voulez vous leur donner des cours de natation, gamin? C'est pas possible. J'ai reconnu les oreilles. Oui, parce que c'est un enfant qu'elle a eu avec le prince Charles. Et elle ressemble de plus en plus à sa mère. Ouais, elle est Je belle. Crois qu'on peut prendre. Ah, Esposito. Je crois qu'on peut justement, et c'est assez rare, décerner le prix du grand gagnant du... Non seulement vous êtes recordman en natation, mais vous êtes recordman aux 200 mètres Kikavuki. Bravo Franck Esposito. On était ravis de vous recevoir. Pas trop fort. À demain à 18h55. Bye bye.